Salut à tous, bienvenue pour ce tuto numéro 2 de 2021. Ah, j'ai sorti l'harmonica, tu as vu. Alors pourquoi j'ai sorti? Parce que j'adore ce morceau d'Aubert, encore une fois. C'est le morceau qui m'a fait acheter un harmonica. Un sol, du coup. La petite semaine. Alors, La petite semaine est une chanson que j'avais connue à l'époque, un clip, sûrement sur M6 ou notre chaîne. Il avait présenté l'album Stockholm chez Delarue et j'ai trouvé le clip superbe. Alors, il a été réalisé par Jean-Hugues Anglade, l'acteur. Et c'est la rétrospective d'un chien. Enfin, bref, pas m'étaler dessus, mais c'est un très beau clip et c'est une super belle chanson. Et donc, Jean-Louis joue avec la guitare et l'harmonica, surtout sur l'album Concert Privé 26. Donc, le morceau n'est pas très compliqué en soi, mais il est très, très joli. Je montre l'intro, qui est aussi les couplets. Et un par. Alors, on règle ça. Alors, les accords. On va sur un sol enrichi. Un si mineur. Et un mi mineur. Ensuite, on peut faire un petit motif. Donc, on va faire A vide la la. On va faire un pull-off en deuxième case. La ré à vide. Encore une fois. Ensuite, en deuxième case. Après, j'aime bien faire un petit slide de la deuxième à quatrième case en corde de le sol. La mi, la si, je viens. Donc, c'est la même note. Hein. Deuxième case de corde de ré et à vide. Donc ça fait cette vie à la petite semaine. Donc le motif est fait 4 fois. Ensuite, pour le refrain, à passer là, leur sirène. Leurs sirènes te disent où entrer, quoi posséder. Donc, le La majeur, on va rajouter avec l'auriculaire la troisième case encore de Si. Retirer. Alors moi je mute un peu. On passe à mi mineur. Auquel on va rajouter encore l'auriculaire en troisième case de corde si. Et là le V. Thank you.
pareil pour l'accord de demi mineur. Et le do enrichi, donc. Et le do. Voilà ce qu'il nous fait. Leurs sirènes te disent comment naviguer. Leurs sirènes te disent comment penser. Leurs sirènes te rendent étranger. Ça repart sur le deuxième couplet. Cette série du coup ne vaut peut-être pas le passer sur le la partie un petit peu break solo. Alors les accords, ce sera le mi mineur et le do. Du coup, tu es possédé. On passe un ré pour finir un ré 7. Leur sirène. Leur sirène. Leur sirène. Ne dis pas que c'est ceux qui sont possédés. Peu comment finir le morceau. Alors je n'ai pas fait de solo de guitare parce que j'ai pas mon looper à portée de main. Donc gamme de mi mineur, sol majeur. Voilà, donc ça peut le faire. Hein. Donc voilà, alors à savoir que le solo sur la version originale de l'album Stockholm, c'est Olivier, c'est Lily. Olive, son pote, qui l'a fait, de Lily Drop. Donc, le solo est vraiment terrible. Hein. J'ai plus trop le souvenir comment on fait sur la version live, mais il y a une histoire de...
fait même de la merde. Enfin bref, voilà, je vous laisse écouter un petit peu, vous inspirer. De toute façon, c'est pas très compliqué, la gamme de mi mineur, de sol, là. Voilà. Pas la plus compliquée après. Ça, c'est un peu plus bluesy, mais là. Tant qu'à se balader sur cette position entre la 7 et la 10. On la cherche un petit peu sur la 12. Rien qu'avec ces deux positions, il y a moyen de faire un bon petit solo. Allez, quitte à aller chercher. Mais là, rien que ça, c'est bien. Voilà. Donc, on va arrêter là. J'espère que j'aurai été assez clair sur ce morceau, sur ce tuto. Puis n'hésitez pas à commenter, partager, diffuser. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Alors, je pense que je vais en faire un autre dans la foulée, qui sera encore... J'essaie d'en sortir une ou deux vidéos par semaine en fonction de YouTube, parce qu'il faut que je monte tout ça derrière. J'en profite, je suis là pour deux jours. Donc on enregistre et on fait vivre la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!